20 arrestations et la dernière, il y a ensemble de gangs. C'est des gens nous prend qui à peine sous 3 mètres de braquage. Et en pile là-dedans, nous jouons des armes, nous confisquons 4 armes et gagnons 8 véhicules qui confisqués. 8 véhicules, donc nous gagnons 5 machines qui sont la croix là, que la presse a boué, et 3 motocyclettes. Nous confisquons 4 armes, 2 armes, ça, dernière en date là, et qui lui-même, au cours de l'opération ça, et qui visait gang Anel, qui lui-même a terrorisé une partie dans le village de Dieu. Et compte tenu, la police a évité dommage collatéraux, donc nous pas intervenu en force. Donc nous puissions prioriser, d'Agadi, investigation. Et dans le cadre de l'action de la police, il y a à peu près une dizaine de membres gangsa qui déjà tombé dans l'échange avec la police, dont les oreilles et consorts, qui sont des gens qui sont membres d'Agadi Gang Ravine, qui est intimement lié avec Anel. Dans le village de Dieu. Et dernier moment date que nous avons arrêté, c'est deux prévenus qui là. Nous avons Dikini Veri, M. Viré, qui lui-même, Dikini Veri, c'est nous arrêté sur l'aéroport. Et pendant que nous avons Dikini, c'est même le chef réseau par là. Et chef réseau, il y a un petit nom dans le gang là, il est ingénieur. Ingénieur, c'est lui-même qui est habillé très bien à l'ambankio. Suivre qui moun kap fait transaction et peut-être m'takadi familiariser à moun dan. Et nous connaissons Dikini lui-même, par exemple, nous jouons dans la machine. On carte. Carte ça, c'est 4 ministères intérieurs, mais c'est une fausse carte qui permet que il est capable de passer n'importe qui côté. Et comme m'takadi, on employé l'État ou ingénieur qui permet de cibler moun yo. Et puis, avec machine, motocyclette, yo braquer moun yo. Mais nous prenons après une attaque qui était faite sur un client qui saute dans Sojé Bank, Delma 30. Et malheureusement, l'équipe là était tellement sur le terrain, nous n'avons pas arrivé, nous avons dit mettre les mains sur toute l'équipe là. Et nous avons arrêté deux là-dedans, nous avons dit Dikini Veri. Et nous avons arrêté tout Belfort Robinson, alias Rudy, qui était accomplice, qui était avec elle. Mais la particularité de Dikini Veri, l'elle finit arrêté dans. Recherche que nous faisons, nous retrouvons l'habitat avec Mario Saha, qui est tout près là. Et dans la recherche, dans le contact, les informés de l'arrestation, nous avons SDPJ Nord qui prend contact avec nous et qui voit des images, vidéos que nous avons gagnées sous deux braquages qui fait dans le cap haïtien qui était vraiment soulevé l'opinion publique là. C'est un braquage qui était fait le 11 avril. Dans rue 20A, côté que yo prend 26 000 dollars américains, nommé madame Ella Benoît Siméon, 11 avril 2018. Et le 24 avril 2018, dans rue 3L, au Cap Haïtien, yo poté aller plus de 80 000 dollars américains de un commerçant qui est Robert Télémac. Donc, image vidéo que vous voyez dans nous, c'est même Mario ça. Que nous avons arrêté la veille là, qui était sous lit. Et ça fait nous, Kembe Mayowa, comme une pièce à conviction. Le CPJ fait un gros avancé dans le cadre dossier enquête sur photojournaliste Vladimir Degagneur. Le 13 mars 2018, il recevait un appel sur le téléphone qui est 38 87 51 66. Il recevait appel ça d'un numéro 47 30 28 52. Appel ça a demandé pour livrer un reportage le 14 mars 2018 avec chef de gang Grand Ravine que les Bougoy ainsi connu que DCPJ a recherché dans quatre dossiers ça. Avant de quitter Kaili, il bail madame ni numéro ça 47 30 28 52. Il dit madame ni s'il pas venu, il est dans le mur. Depuis lors, nous sans nouvelles de jeunes journalistes, les gagneurs. 3 jours après disparition, le 17 mars 2018, Yowé téléphone ça à émet dans la zone cathédrale, en bas de la ville. Le 30 mars, DCPJ fait filature et possède l'arrestation de deux mouns. Gaslin Transtamar, qui a 26 ans, qui fait Delma, qui habitait Delma 87.
Nazaire Paul, qui est donc les deux baisses, l'autre donc les Naz, monsieur qui a 28 ans, il fait coup de dalle. DCPJ joint téléphone de gagner. Un Samsung Galaxy S6 couleur bleu et gris. Nous joignons téléphone ça sous table monsieur Bo cathédrale. Suite à opération, DCPJ a arrêté François Mérissois qui a 36 ans. Monsieur fait petit trou de nip. Il habitait Marty 104 numéro 34. Numéro de téléphone ça qui relait Vladimir là. C'est téléphone c'est Jean, c'est Sim ça, c'est téléphone François et Mérissois. Sim ça, monsieur Gayen depuis 2014. Le 28 mars, DCPJ allait justement sur scène là, et côté qu'il était accompagné justement de police scientifique, de l'autre unité spécialisée dans la police là, dont Udmo, SWAT, Simo et toute l'autre équipe qui était fait partie justement de l'équipe justement pour démonter au niveau Grand Ravine, côté que ils récupéré deux ossements sous terrain Palmyra. Chapeau ça, que nous voyons là, c'est chapeau Vladimir le gagneur, côté que madame ni identifié chapeau ça, jour que il était sorti à la tête. Et nous joignons ni sur site ça, sous terrain Palmyra. N'a dit que enquête la continue, guide des données techniques, n'a travaillé sur eux et n'a pour chercher Bougoy dans quatre dossiers ça. Chef de gang ça, cap bay problème au niveau Grand Ravine, grand pile monde qui est victime de lui et nous mande population collaboration dans sens ça. N'a cherché tout Anel. À peu près une dizaine de monde que DCPJ a pour chercher dans quatre dossiers ça qui identifié qui n'a pour chercher. Et nous demandons encore une fois population collaboration dans quatre dossiers ça. À savoir ADN non, n'a dit que DCPJ sollicité déjà et monsieur technicien FBI yo, nous connaît généralement et ça prend temps et pour faire analyse et compatible justement avec zo que nous déjoignons osman yo, nous gagnons bois dans monsieur qui pral aider nous justement et policiers FBI yo, pour que nous capable arriver identifier si c'est reste journaliste les gagneurs que nous joignent. Nous avons toujours été dans le même cas de sujet ça ensemble avec ministre Kilti à communication hein, Joseph Guilherme Delva qui parlait mardi 15 mai hein, sous divers points qui dominent actualité hein, parmi eux question ajustement prix gaz là. Ministre Lan qui t'a intervenu dans le cadre d'une conférence spéciale fait qu'on est gain mezi cap gain pour prendre pour ajuster prix gaz là justement en suivre. Depuis 2010 n'a subventionné gaz là, c'est-à-dire que le pas jamais rivé, nous toujours en balle, nous toujours plus bas que prix marché, donc nous toujours en deçà de standard doué percevoir comme recette et nous toujours dans situation pour n'a chercher ajuster ou bien c'est perdu, n'a perdu recette dans question gaz. Ben moi dis nous par exemple depuis 2010 l'État haïtien a perdu plus que 47 milliards de gourdes. Comprenez bien ça, ça veut dire 47 milliards de recettes que le pas percevoir pour qu'il soit à cause que l'a subventionné Gaza. Mais gros problème là, c'est que monde qui bénéficiait de subventions ça que l'État a bail là, eh bien m'ka nous garantir c'est pas monde qui plus bénéficie là, c'est monde qui a moyen déjà. Imaginez qui monde qui a vraiment consommé carburant en Haïti. C'est monde qui a industrie, c'est monde qui a gros Delco, c'est monde qui a gros machine y a roulé. Moi même qu'a pas la voilà m'a bénéficié lui comme si m'a bénéficié moi même pas besoin yo subventionner gaz pour moi parce que moi capable dire dans pays moi sont privilégié. Mais il y a m'a touché m'a bénéficié là dedans lui le l'état subventionnel là. Moi même bénéficié, il y a l'autre monde dans pays qui a moyen pour payer gaz.
mais c'est eux qui bénéficient surtout. Mais avant de arriver dans ce cas, je vais vous donner deux chiffres. Par exemple, jusqu'à présent, dans l'exercice-là, nous avons déjà perdu 7 milliards, plus de 7 milliards de gourdes, qui déjà perdu en termes de recettes qui ne pas percevoir à partir de subventions que nous avons fait dans le prix carburant. Et si ça continue, dans fin exercice-là, nous avons dépassé 13 milliards de gourdes. Comprenez bien. Nous avons parlé là de comment l'État est capable de percevoir pour adresser le problème justement moun qui pi fait bio. Alors que comme nous avons subventionné là, là li plus à jouer moun qui pi riche, qui pi bien, yo, qui pas besoin, ça vrai, mais n'a pas yo, pas besoin. Mais qui j'ai pour qui stratégie pour nous faire pour atteindre moun pour nous assurer que l'effort que l'État fait c'est moun en bas là qui plus besoin là. Eh bien, c'est à travers programmes sociaux que nous avons mis en place, qui déjà en place, qui en cours, que nous avons besoin, que nous avons renforcé. C'est par rapport à toute une série de mesures d'accompagnement qu'on prend pour permettre qu'en bas, capable de bénéficier. C'est-à-dire, si vous payez au camionnette, vous payez un goût de plus, vous payez deux goûts de plus, mais vous pouvez le compenser de l'autre côté. Quand vous compenser là, vous pouvez acheter un plat manger pour 150 gouttes, et bien, vous avez pour 10 gouttes. Mais là, je ne vous dis que là, c'est comme l'État, oui, c'est comme la percevoir qui permet d'atteindre les gens qui sont bas. Les gens actuellement là, ça va fonctionner à travers le pays. Nous devons mettre plus toujours. Nous devons, et si pas, disons, panier solidarité qui a développé pour mettre les gens capables de jouer un kit, pour jouer manger ou bien nourriture qui est capable d'aider. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Attention, hein? Nous pas dit programme social, ça, c'est qui va résoudre le problème des Haïtiens. Mais il y a des gens qui pas attendre ou besoin de soutien. Et pour faire, il faut gagner moyen la mort. Et qui côté pour moyen sortir? Mais sinon, c'est sur gaz, c'est sur tout, c'est sur l'autre produit qui est dans le pays. A. Pour jouer. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause. Restez branchés.